On est regroupé aujourd'hui à Metz pour la journée régionale du football d'animation avec l'ensemble des responsables des différents districts qui œuvrent toute la saison sur le sujet. Les objectifs de cette journée sont les suivants, c'est-à-dire partager les bonnes pratiques et avoir une réflexion sur demain, améliorer notre fonctionnement sur l'encadrement et les pratiques des jeunes, des U7 jusqu'au U13. Après, comme vous, Amélie, dans les clubs, je sais que nous, par exemple, il y a une rotation. Je pense que déjà cette réunion, elle permet de connaître les gens de cette ligue qui est assez importante. Et les écoles de football sont très nombreuses dans la Ligue du Grand Est. Et ça va de clubs de moindre importance à des clubs où il y a beaucoup de monde. Donc on a des modes de fonctionnement qui peuvent être différents. Mais on a pratiquement les mêmes problèmes. Donc déjà je pense que les échanges sont très fructueux, vont nous permettre d'évoluer, de donner tous les renseignements nécessaires aux éducateurs qui sont concernés et puis de faire remonter éventuellement certaines propositions au niveau de la 3F. Il devrait y avoir un trou dans le monde. Cette journée est importante parce que ça permet d'échanger et vraiment pointer du doigt des points un petit peu négatifs et surtout chercher des pistes, des axes d'amélioration et avoir des idées concrètes pour améliorer les plateaux ou l'organisation générale du foot chez les jeunes catégories.